C'est compris. Faites bien attention à vous, de votre côté aussi. Jansen et les autres sont tous dans la même cellule. J'espère simplement qu'ils ne nous ont pas vus arriver depuis l'extérieur. Auquel cas, nous pourrions considérer la première étape du plan comme réussie. Je me demande ce que nous pourrions faire pour convaincre Gondor de collaborer avec nous. Ouais. À sa façon de nous accuser de vouloir tuer le présent, il ne sera visiblement pas facile de la convaincre. Je sais même pas ce que ça peut vouloir dire, son truc. Moi non plus. Mais il va falloir en rediscuter avec elle. Et moi, je me demande comment on va se tirer d'ici sans tout démolir. Pas nécessaire démolir, façon plus facile est possible. Comment ça? Vous êtes nouveau, pas vrai? Si vous vous bougez pas les miches, vous aurez rien à becter. Donne miam miam ici? Il semble que nous soyons plus libres de nos mouvements que je le pensais. Profitons-en pour retrouver Gondor. Oui, quand même, 69 PC. Oula! La Switch souffre. Et on va refresh la bouffe. Non, pas ça. Surtout pas ça. On peut pas refresh la bouffe. Évidemment. Ils nous font travailler sans relâche depuis que nous sommes enfermés ici. Le pire, c'est qu'Agnus utilise ce qui est produit ici pour continuer la guerre. Si une chose que j'ai fabriquée faisait du mal à ma famille et à la cité, je ne sais pas ce que je ferais. Vivre avec cette peur durant des années suffit à vous rendre fou. Votre cellule n'est pas par là. Vous feriez mieux d'y retourner avant que les geôliers ne cassent les oreilles de tout le monde. J'ai pas envie. Allez, rendez-vous dans la cellule centrale pour l'assemblée du matin. Si vous êtes en retard, vous serez puni. L'infiltration s'est bien passée. C'est après que les problèmes ont commencé, mais bon, fallait s'y attendre. Gondor a toujours été comme ça. Ça ne doit pas être facile pour Agi et Ogi. Je connais personnellement beaucoup de soldats dans cette prison. C'était terrible de ne pas savoir s'ils étaient vivants ou morts, donc c'est un véritable soulagement de voir qu'ils sont encore en vie. Je sais que la mission est de sauver Gondor, mais je veux aussi ramener tout le monde chez soi, si possible. Ce truc peut aider à m'y pondre. Ah oui, c'est pour les cailloux. Ah non, c'est une quête. Pierre perdue. Hein? Forêt du périmètre, d'accord. D'accord, lui peut pas me donner sa pierre parce que bah, il l'a perdue. Et elle a rien à vendre. Parce qu'on est en prison. Ça va être le bordel dans le découpage par saison de Demon Slayer. Elles sont classées par nom pour l'instant. Oui, c'est pas très grave ça. Si elle avait Molly, j'aurais donné à Gondor une bonne rossée. Mais où qu'elle aille, Gondor reste Gondor. Mecha, Mecha, il est aussi enfermé le pauvre. Je suis toujours triste les jours avant l'éclipse. Tel massacre, je préférerais mourir au combat. Pourquoi me suis-je laissé capturer? Les dispositifs d'identification fonctionnent plutôt bien finalement. Faites juste en sorte que les geôliers ne remarquent pas nos petites modifications. Et attirer l'attention sur vous en utilisant votre interlien est tout à fait hors de question, compris? Le film était bien sauf 2-3 petits trucs. Ah, j'ai adoré le film. Les égarés et enfermés dans le pénitencier ont tous été capturés pendant qu'ils étaient en mission. Ils sont restés prisonniers tout ce temps, sans grand espoir de sortir. Et nous n'avions aucune idée du genre de vie qu'ils y menaient. Et la saison 2, le quartier des plaisirs, pff, elle était monstrueuse. Hein. L'animation, elle est dingue.
Les jolis Agniens portent des œillères. Bon nombre de mes camarades leur ont dit que les Mobius tirent les ficelles, mais ils refusent de croire quoi que ce soit. Bah, c'est normal. Ils ont toujours vécu ainsi. Vous verrez souvent Gondor traîner dans la cellule centrale. Cherchez deux mecs costauds qui vadrouillent dans les parages, vous pouvez pas les rater. C'est où la bagarre? J'ai passé 10 longues années dans ce pénitencier, ça fait un sacré bail. Ils vont plus tarder à m'envoyer à l'abattoir. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Mon âge, vous en voyez beaucoup, vous, des vieux prisonniers? Bien vu. Ah, ça, c'est d'où on est arrivé. Et ici, la bouffe? Désolé, j'ai déjà tellement de choses à faire, je ne peux pas me permettre de vous aider. Pas de soucis, vous pourriez nous filer quelques conseils peut-être. Pourquoi pas, il y a un marchand Nopon qui a échoué ici, au milieu des prisonniers. Si vous avez besoin de quelque chose, il pourra peut-être vous aider. Bah non, il n'a rien à vendre. Il t'intéresse, Lunar, Tox? Ouais, carrément. Je suis le truc de près.私の結論を教えてやるよ。何もしないことだ。何もしない？ここにこうしていれば、シティでひっそりと暮らしていれば、無駄に命を失うこともね。それが今。そういうこった。来月には処刑されるって聞いたが。それだってせいぜい10人足らずだ。 ここには1000人からの囚人がいる。一部にも満たねえ。割合で人の生死を語るのか。クソ女の口車に乗ってことを起こせば、1000の命が消えるって言ってんだよ。それになんだ？世界をあるべき姿に戻す？じゃあなんだ？腕のそれは？胸のそれは？特にてめえ。 あと1月ちょいくらいか。こん中じゃ一番乗りだな。お前。世界のためが聞いて呆れるぜ。なんだかんだと偉そうなこと言って、所詮はてめえのためだろうが。先のねえやつかわいさで行き当たりばったり戦ってるだけだろうが。 行き当たりばったりで命が遅れるか！ミオ、あと1日、あと1分、そう願って消えていった仲間の命をこれまで何度も数えきれないほど送ってきた。それが私たちの日常だった。それしかなかったから。 それが真実だって疑わず、毎日毎日。お前、送り人か。やっとの思いでシティにたどり着いて、まるで異なる世界があることを知った。羨ましい。素直にそう思った。私たちの10年を、その何倍かにするだけで、こうも変わるのかって。 新しい命の誕生も見た。この指を握ったあの小さな手。それを守りたいあなたたちの気持ちはわかる。それが今だと言うなら壊すつもりもない。でもだからこそ私たちにも守らせてほしい。仲間たちの命を、 まだ続けられるかもしれない未来を。あと1月ちょい。できるのか、それが。わからない。志半ばで、
その時が来るのかもしれない。多分、そっちの方が確率高いと思う。ミオ。でも、進みたい。行ける限り、この命が続く限り、その後は。ああ、その思い、全部受け止めてやる。だよな、ノア。そうだな。正直その日は考えたくもない。だけど、そこから逃げることはできない。逃げられないなら進むしかないんだ、俺たちは。あの日、ゲルニカから託されたこの力。この力のおかげで、敵同士だった俺たちは、今ここにいる。俺たちだって今を守りたい。ここにある今を、そして未来を。それが世界か。これは天空の砦、アグヌスの真の女王が眠る場所。そこへと至るための鍵みたいなもんだ。あ、そいつはお前ら二人、名前ノア、ミオ。ノアとミオか、よく覚えとくぜ。ま、とにかくだ、二人と組み合った時に強く反応した。多分お前らに渡しとけってことなんだろうな。今度協力してくれるの？クソ女の差し金ってのが気に入らねえが、そいつが選んだんじゃ仕方ねえ。約束だからな。約束？3日後にリラーラ島でアグヌスの大規模演習が行われるって話だ。当然兵士の数も最低限になる。その時が脱走のチャンスだ。方法は？まあ、もう一つに決まってるだろうがよ。だよな、てめえら。何か嫌な予感がするな。ああ、間違いなく大荒れになるぜ。つうわけだ。いいか、それで。わかった。3日後だな。それまでは適当に警務作業をしておけ。まあ、ただ模範囚には徹しろよ。決して目をつけられるな。肝に銘じておくよ。それと一つ忠告しておく。ん？いざという時は捨てる勇気を持て。いいな。捨てる勇気？お前たちの力はそのためにあるんだからな。Ça ira comme ça pour aujourd'hui. Il est temps de regagner votre trou. Et vous continuez à me tourner autour comme une bande de rats faméliques. Les geôliers vont vous faire la tête au carré. Tu as raison, on s'en va. Une dernière chose avant de vous tirer. Si vous voulez vous faire passer pour des prisonniers modèles, lésinez pas sur les corvées que les geôliers vous filent. De quoi s'agit-il exactement? Il y a un peu de tout, ça dépend des jours. On s'ennuie pas dans le coin. Revenez me voir demain matin. Nous n'y manquerons pas. Ma nana doit encore sortir tôt du dodo? On dirait bien. Alors bonne idée, coucher très tôt, Noah. En effet. Non, Noah pas fatigué. Regardez un peu ça, la plus belle bande de glandus que j'ai jamais vue. Pardon? C'est un coup de la reine mère, hein. Commencez pas à vous faire des idées. On se fiche de savoir quel genre de craque vous êtes. Si vous êtes ici, vous obéissez aux mêmes règles que tout le monde. Non. Mada, 行ってないところがあるな.
Là, je crois que j'ai pas le choix, faut aller au dodo. Hein. Caravane illégale. Attends, pourquoi ça m'envoie là-bas? Ah, forêt du périmètre. Pierre perdue. D'accord, c'est carrément à l'extérieur en fait. Évidemment. On va sélectionner la quête principale, je pense. Je peux pas en fait. Enfin, on est déjà à la moitié du chapitre 5. Hein. Connais déjà ton jeu suivant ou tu verras le moment venu? Ce sera a priori sous la curse 2. A priori. Il sort dans 10 jours a priori. Il paraît qu'il est pas ouf ouf, mais bon. Comme j'aime bien la licence Shin Megami personnellement. 弱い自分を奮い立たせるためのな。弱い自分？ああ、お前と同じだ。え？けどよ、それでいいんじゃねえかな。弱いから強くなれる。だろ？初めてお前がウロボロスになった時、叫んだろ？ランツ、ついてきて。 強くなろうとしたんじゃねえか。再会したヨランはメビウスになっていた。あんなのヨランじゃねえ。あんな命の使い方俺は認めねえ。だからさ、俺は俺なりの命の使い方を見つけたいんだ。強くなりたいんだ。 ヨランが俺を超えたってんなら、それを超えるくらいにな。ランツ。ノアやユウに認められるためでも、好かれるためでもね、俺自身のために。認められなくてもいい？俺たちはここにいる。今の俺たちでいいってことだ。それで十分だろ。今のランツ？今の セナだ。セナはセナらしくいて。ね。命の使い方か。私もそれ乗っかっていいかな。いいも何も俺とお前の仲じゃねえか。え？ね。 お互い強くなろうぜ。 Tout le monde est prêt? Et comment? Gondor nous a demandé de la retrouver à la cellule centrale. Il est la même heure qu'hier à notre entrée dans la prison, ce qui veut dire... On risque fort de retomber sur l'atroce geôlier de l'autre fois? Génial. Il sera forcément présent à l'appel du matin. Bah, il suffit de le baffer. Bon bah, allons-y alors. Un bon prisonnier modèle. Et vive le travail forcé. J'espère qu'on ne va pas trop souffrir.
Ouais, donc t'as fait SMT3 Marvel, t'avais bien aimé ou pas? C'est très couloir, hein. Les geôliers savent qu'on ne les laisserait pas impunément s'en prendre à Gondor, alors ils la surveillent pas de trop près. Les choses sont devenues bien plus intéressantes depuis qu'elle est là. La fille de l'aîné est avec nous, ça nous donne tous de l'espoir. C'est une perruque de Rikki que porte Yone. Oui, c'est parce qu'en fait... Je t'explique. Elle est dans la classe Armuromium, donc la classe des Nopons. Et si j'équipe... lui par exemple... Alors là, il a pas changé de tenue, mais normalement, il est censé avoir celle de Manana. Ouais, faudrait que je change la tenue en fait. Est-ce que je peux faire ça ici? Certainement oui. Voilà. Je l'avais pas fini, mais j'avais trouvé ça pas mal. Ah, c'est des jeux qui sont relativement difficiles, les Shin Megami. C'est pas pour ça que j'aime bien. C'est plus pour le gameplay, le système de démons. Démons et anges. Et puis pour toutes les petites références. Bien le bonjour, mes petits prisonniers. J'espère que vous êtes tous en forme. Vous devriez nous remercier de vous avoir laissé en vie, bande de criminels. Alors tuez-vous à la tâche, c'est le minimum. Ceux qui bosseront pas assez auront rien à manger et piger. Bien, passons maintenant à la répartition des tâches pour la journée. Aujourd'hui, vous serez de corvée dans la forêt du périmètre pour y ramasser des provisions. Formez des équipes par cellule. Pour commencer, ce sera 20 carnomilles, 20 bardanes dorées, 20 truffes pêchues et 20 prunes mielleuses. Allez au trot! Salut Zelfriano! Comment ça va? Ouf, on devrait encore passer une journée tranquille. Comme tu dis, il y aura sûrement moyen de se caler une bonne sieste. Faut croire qu'on n'a pas la même définition d'une journée tranquille. Ouais, je préfère même pas m'imaginer ce que c'est une journée pas tranquille. À quoi est-ce que tu penses, Tyone? À cette liste d'aliments que le geôlier vient d'énumérer. Cela correspond exactement au contenu des rations que le château fait parvenir aux différentes colonies. Mais alors, tu crois qu'elles seraient toutes préparées ici? Ça semble une conclusion logique. Les égarés qu'ils capturent sont donc gardés en vie afin de travailler comme forçats pour le château. Nous allons à présent ouvrir l'accès à la forêt du périmètre. Et que j'en vois pas un jouer au malin, compris? Le premier qui fait un pas de travers, je le descends, point final. Nous devons à tout prix éviter de nous faire remarquer jusqu'à ce que nous ayons mis en œuvre notre plan. Oui, dirigeons-nous comme les autres vers la forêt du périmètre. C'est là-bas qu'on a une quête en plus. Premier jour en prison. Il me semble. Hein. On verra. Mais oui, c'est carrément là-bas. Et arrêtez de glander, vous trois, là. Vous possédez un immense pouvoir en fouillant vous, n'est-ce pas? Si j'étais vous, je ne l'utiliserais pas dans ce pénitencier. Les geôliers le découvriraient à coup sûr. Oui, on sait. Pas d'interlien, hein. Ce que je donnerais pas pour pouvoir manger quelque chose de la cité. Ne vous méprenez pas, hein. Je ne regrette pas d'avoir suivi mademoiselle, pas du tout. C'est que parfois, je pense à la nourriture de la cité et j'ai des bouffées de nostalgie. Bon, du coup, faut ramasser tout un tas de choses.
Mais nous on est trop malins, on va faire des quêtes. On va faire une quête. Je sais pas si je peux passer en Ouroboros, mais faut éviter apparemment. Non, c'est carrément bloqué. On n'a pas le droit de faire une gaffe quoi. Dommage, ce serait marrant. Allez, en isolement. Bon, je ramasse quand même le truc de la mission parce que sinon je finirai jamais. Je vais m'approcher en même temps de mon objectif. J'adore les jours de collecte, ça me donne l'occasion de m'échapper dans mon monde et de ne penser qu'à mes livres préférés. Ce que je ne donnerais pas pour avoir l'un des romans de Léane. Attends, il y a peut-être un seul exemplaire de chaque en fait. Ça veut dire qu'il faut absolument que je ramasse les trucs sur le chemin. Cette phase de la prison est pas très intéressante? Non mais bon, c'est de la prison hein. Je crois que c'est fait exprès. Ouf, on dirait qu'on va atteindre le quota requis de la journée. Il y a des jours où c'est plus compliqué. Que se passe-t-il si on n'atteint pas le quota? C'est mieux que vous n'en sachiez rien. Ok. Pourquoi y a un point d'interrogation là? Vous travaillez tous les jours aussi dur que ça ici en prison? Eh ouais mon pote, et encore, la cueillette de nourriture c'est pas le pire. Des fois on part à la mine extraire des ressources. Mais les jours de repos, de congé, ça tu peux oublier. Je vois. Vous avez pas encore ramassé tout votre quota, pas vrai? Tenez, prenez ça. J'en ai sûr, tu n'en auras pas besoin. On voudrait surtout pas que vous soyez sur les rotules pour le jour de l'évasion. Merci, ça va bien nous aider. On va faire travailler les autres pour nous. On leur fera tenir notre poche. Ah, il y a du plus. Un ancien camarade m'a un jour dit que ce territoire appartenait à la cité, il y a de ça des années. C'était un endroit fertile où ils faisaient pousser des tas de choses. Ils appelaient cet endroit la colline de l'espoir. Ça me parle ça. Et c'est comme ça qu'on l'appelle ici aussi. Ce serait drôle si ce n'était pas aussi déprimant. C'est la colline du désespoir maintenant. Hop, on tire ensuite. Filet mignon. Par contre, faut pas que je remplisse la quête avant d'avoir vu l'autre. Enfin, c'est pas l'autre, en fait, c'est les pierres qu'il a perdu. Lui aussi va me donner des trucs. C'est toi qui as fait pousser tout ça? Ouais, par ici la terre est fertile, ça aide. Et puis c'est pas trop compliqué. Le seul truc qui m'énerve, c'est de me dire que nos chers geôliers sont loin d'être les derniers à en profiter.
Tenez, vous avez qu'à vous servir. Ce sont des bardanes dorées, exactement comme celles qu'ils vous ont envoyées ramasser. Merci beaucoup. J'ai du mal à croire qu'on va bientôt décamper d'ici. Si je pouvais, j'emporterais bien tout ça avec moi. Les truffes péchues. Ouais, en fait, ça va ultra vite parce que les mecs ils t'aident quoi. On doit pas manquer grand chose. Hein. Les Ouroboros sont donc ici pour aider la fille de l'aîné à s'échapper. Je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. C'est aussi surprenant de voir des Ouroboros qui n'ont pas été candidats auparavant. Je ne savais même pas que c'était possible. On dirait que tout a bien changé depuis que nous avons été enfermés ici. Et ouais mon gars, c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est peut-être bien ça. Yes. Regardez, il y en a trois. Une bleue, une rouge et une jaune. Le Nopon a dit que la couleur importait peu, si je me souviens bien. Dans ce cas... Je vais prendre toutes les trois. Je n'arrive pas à me décider. Prenons-les toutes. Bah oui, pourquoi on va les laisser par terre ? Ça n'a aucun sens. Ah oui, 49. Ça fait longtemps que tu es enfermé ici. Comparé au temps que j'ai passé avant à me battre, pas si longtemps que ça. Il paraît que vous avez l'intention de vous évader. Vous allez reprendre le combat alors. En un sens, je vous admire. Comment ça? Je ne suis pas là depuis très longtemps, mais ça m'a quand même permis de comprendre une chose. J'en avais plus qu'assez de devoir sans arrêt me battre pour vivre. Mais pardon, je suis là à vous raconter ma vie. Désolé, c'est juste que ça fait du bien de parler à quelqu'un. Il vous en manque encore, non? Tenez, prenez donc ça. Et bon courage pour la suite. Impec. Bon, lui, on va se le faire. Il brille. C'est chaud là. Enfin, en fait, ils font beaucoup quand même. Hein. On va leur faire. Hein. Faut que je tape d'abord les petits. En fait, il tape un petit peu fort. On sait pas, mais. Tiens, il y a même un coffre ici. Salut Natoru, comment ça va?
何があるかね。Ouais, en fait, j'ai la grosse solo aussi, je crois, non? Non. Les 4 côtés, en fait. Ah, j'allais dire, ils vont pas aggro, bah si. Avec les boucles que j'ai en défonçant là. Oh non, je vais mourir, allez! Ça a été trop rapide. Mais pourquoi il me reprend l'aggro là? Une petite cloche. Bon, les deux healers sont morts. Bon, j'insiste pas avec ceux-là. Je comprends pas pourquoi Taeyong il garde pas l'aggro direct. Surtout au début du combat. Bon. Ah, ça y est? Bon, ça va, c'était rapide. Je vais quand même aller... Non, je peux pas. J'ai pas le droit d'aller là-bas. Je pense qu'on pourra revenir, mais je vais quand même jeter la map tout de suite. Il faut qu'il ne reste pas grand chose. Ce sera fait. Donc si j'ai bien compris, en fait, on doit rester 3 jours en prison. Ça, c'est le premier jour. Enfin, le troisième, on doit s'évader. Tout ce que j'ai ramassé, ils vont me le racketter. J'aime pas trop beaucoup ça. Ça, je vais en buter parce que j'en bute jamais, il y a peut-être un truc pour les jeunes. の時間だね。
Sora. Ah, je peux quand même me balader là. Ok. On va aller voir le Nopon du coup. Sora. Nous avons quelque chose pour toi. Ah, très gentil de la part d'Amipon. Amipon a rapporté toutes les pierres. Oui, nous ne pouvions pas nous décider. Alors Amipon prend une pierre bleue. D'accord. Et Rustrug envoie salutations chaleureuses à Frippopan. Ben voilà, c'est fait ça. J'aime les quêtes annexes comme ça, que tu peux faire en même temps que l'histoire. Mais Amipon veut quelque chose. Ouais, 300 points, merci. Trop sympa. Et du coup, ça a dû bien augmenter ça. 300 points, Caravan Nopon. Ouais, ça va. Allez, si on va rendre les composants à l'autre. Hein. Voilà, nous avons ramassé le quota qui nous avait été assigné. Ça, c'est à moi d'en juger. Bien, alors voilà la liste suivante. Quoi ? On s'est tué à la tâche et on doit aussitôt enchaîner sur une autre ? Ça te pose un problème ? T'es pas obligé, hein. Je peux aussi t'exécuter sur place. On est déjà bien gentil de vous garder en vie, alors si vous voulez que ça continue, vous avez intérêt à bosser. Et toi, t'as intérêt, hein. Eh, évitons de nous faire remarquer pour le moment, d'accord? Bon, ça suffira pour aujourd'hui. Retournez à vos cellules. Et vous avisez pas de faire le moindre détour. Berk, je pue la poussière et la sueur, je vous raconte pas. Il faut qu'on tienne le coup, encore 2 jours. Oui, on n'a pas à se plaindre. Quand on pense que c'est la vie quotidienne de tous ces prisonniers, ils sont pratiquement réduits en esclavage. C'est à peine si les geôliers les considèrent encore comme des êtres humains. Il faut que nous reprenions des forces pour demain. Nous ferions mieux de nous coucher sans tarder. Tu as raison. Allez au dodo. Ah ouais, par contre en XP il régale. Hein. Un peu trop d'ailleurs. Rang 9 pour Lance et Senna. Est-ce que ça augmente par contre la classe de l'autre hein? Putain, mais j'ai l'impression que ça monte pas. Normalement plus on la joue. Ah mais non, c'est normal, j'ai. Je suis repassé en armure au même. Ok, très bien. Donc non, c'est normal. Tout va bien, tout va bien. En vérité, si l'équipe est sur l'avant-garde, lui il l'a bientôt. Lui encore plus. Comme ça. On essaye.